C'est Tritrix, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va hyper méga bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur Smite. Je suis désolé si vous entendez ma chaise, à chaque fois que je bouge, vraiment que je change de chaise. À chaque fois que je bouge, ça fait un bruit de malade, vous devez l'entendre. Bref, aujourd'hui on se retrouve sur Smite pour une petite vidéo récapitulative, une petite vidéo mise au point, je dirais même, une petite vidéo mise au point. Et puis ça va être une vidéo mise au point tout simplement parce qu'après 2 mois d'absence, je reviens. Vous l'avez vu avec ma vidéo sur Minecraft Story Mode, qui est sorti déjà au moment où je fais la vidéo, ou qui va sortir bientôt du moins. Vous l'avez vu, je suis de retour, je me suis acheté un nouvel ordinateur. Ça a été un petit peu long parce qu'il a fallu que j'installe tous mes programmes, que j'aille un programme de montage. Bon bref, vous connaissez comment que ça se passe, on a un nouveau PC. Moi, je vais lancer une partie contre des bots parce que, ben de rien, ça fait 2 mois que j'ai pas joué. Du coup, je sais pas, pour me remettre dans le bain, c'est peut-être mieux comme ça. Bref, attendez, je vais jouer qui? Moi, je vais jouer... C'est qui lui? C'est un nouveau dieu. Je vais jouer Zeus. C'est celui que je connais le mieux. Bref, je me suis acheté un nouveau PC, ça a été long, il a fallu que je retrouve tous mes programmes, montage et tout ça. Ça a été un petit peu compliqué. Ensuite de ça, bref, j'ai eu plein de problèmes avant de pouvoir utiliser mon PC, mais finalement, il est arrivé. Et je voulais faire une vidéo mise au point, parce que mine de rien, en 2 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, déjà, je vous le dis, il va y avoir une alerte spoiler dès maintenant. Parce que je vais parler des let's play qui sont pas encore arrivés. Donc des let's play qui vont arriver dans le futur. Je vais parler des let's play qui sont déjà en cours, des choses qui vont arriver et tout ça. Donc, alerte spoiler, il va y avoir des trucs qui vont arriver. Premièrement, j'ai une petite liste pour ça. Je voulais vous parler du jeu Blues and Bullets. Il y en a certains peut-être qui connaissent. Parmi vous ce jeu-là, Blues and Bullets. Je vous en parle parce que j'avais commencé un let's play dessus avec mon autre PC, donc j'avais fait déjà 2 épisodes, mine de rien. J'avais déjà fait 2 épisodes, puis j'espère que vous n'en parlez pas trop lourd. J'ai tourné 2 épisodes, je vais réussir à le dire, inquiétez-vous pas. J'ai tourné 2 épisodes quand j'avais mon autre PC. Puis, mon PC m'a lâché, en fait, j'ai pu récupérer toutes les vidéos que j'avais faites. Donc, j'ai récupéré les 2 vidéos que j'avais tournées sur Blues and Bullets. Mais, le seul problème, c'est que... En fait, c'est pas vraiment un problème en soi. Mais, c'est que je veux recommencer le let's play. Parce que, vu que je l'avais tourné avec mon autre PC, la qualité était quand même moindre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait parfois des chutes de FPS. Le jeu, c'est un jeu qui est assez complexe dans son ensemble. Et il y a plein de trucs que j'ai pas compris au début du jeu, mais que j'ai compris au 2e épisode. Et du coup, en pouvant recommencer le let's play, ben, ça me permet de mieux comprendre le jeu. Et surtout, de plus avoir de chutes de FPS, de pouvoir profiter du jeu. À son maximum, tout simplement, parce que mon ancien PC, mine de rien, il se faisait vieux, donc du coup, ça arrivait que parfois sur certains jeux, j'avais des chutes d'FPS où je mettais les options graphiques au minimum. Et c'était le cas pour Blues and Bullets, mais là, au moins, avec mon nouveau PC, j'ai plus de chutes d'FPS du tout, même que je tourne à 60 images secondes sur presque tous les jeux au maximum. Donc, du coup, pour ça va relativement bien. Et c'est pour ça que je vais recommencer le let's play de Blues and Bullets avant de vous le sortir, parce que je veux vraiment pouvoir... Vous pensez que je peux le tuer? Ah oui, j'ai pu. Bon, je pensais pas. Je veux vraiment profiter du jeu à 100%. Je veux pas avoir à gérer des problèmes de graphique ou de chute d'effets et tout ça. Et en le recommençant, ça va être mieux pour moi et pour vous. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Blues and Bullets, je vous invite à aller voir sur internet. C'est un jeu un point and click, mais qui mélange action et aventure, énigme et tout ça. C'est relativement cool. Je le sais vu que j'avais déjà commencé en fait là.
Là, attendez, je cherche le mana. Mana, des bouteilles de mana. Ils sont où? Évidemment. Restore le mana. Voilà. Donc oui, Blues and Bullets, je vous invite à aller voir si ça c'est quoi. Quelques petites vidéos, leur page team. Parce que ça va arriver bientôt. Non, je veux mon kill. Ah, je l'ai eu. Ça va arriver bientôt sur la chaîne. J'ai hâte de vous montrer parce que c'est un jeu que ben, j'ai déjà joué, t'sais. Donc, je peux vous dire que c'est un jeu qui est vraiment cool pour vrai. Mais je l'aurai pas. C'est un jeu qui est. Ouais, je l'ai eu. C'est un jeu vraiment cool. Et bref, tout ça pour dire que je vais le recommencer. Mais vous allez avoir un let's play sur Blues and Bullets qui va arriver bientôt. Mais je dois déjà recommencer les épisodes. Voilà, ça c'est dit. Ensuite de ça, j'avais l'intention de vous faire un let's play sur Homefront quand mon PC a planté. Homefront 1. Mais mon PC a planté pendant que j'avais commencé en fait. À l'épisode 2, je crois, j'ai tourné déjà deux épisodes du jeu. Et mon PC m'a lâché, donc j'ai jamais pu terminer en fait. Mais je vais le continuer, j'ai pu récupérer les vidéos que j'avais déjà faites avec mon autre PC comme j'ai dit. Du coup j'ai encore mes deux épisodes de Homefront que j'ai tourné sur mon autre PC. Et ce que je vais faire c'est vraiment continuer le let's play comme si de rien n'était. Mais encore une fois ça va être beaucoup mieux. Parce que sur mon nouveau PC, bah, il n'y aura pas de chute d'FPS. Les graphiques bah, ils vont être beaucoup plus beaux. Donc ça va être encore une fois beaucoup mieux sur mon nouveau PC. Mais les deux premiers épisodes vont être tournés avec mon ancien. Donc vous allez peut-être voir une petite différence dans ce let's play là quand il va arriver. Faut encore que j'installe le jeu parce qu'il n'est pas encore installé. Mais je vais le télécharger bientôt. Et puis ça va commencer bientôt sur la chaîne aussi. Ensuite de ça, pour parler de let's play qui était déjà en cours sur la chaîne. Plant vs Zombie Garden Warfare, le 10 heures de jeu que je voulais vous faire. Ça va continuer, il faut juste que je le réinstalle. J'ai énormément de trucs à installer sur mon PC que j'ai vraiment pas tout fini d'installer. Tous mes jeux et tout ça. Mais ça va continuer, mais le temps que ça arrive, il faut que je réinstalle le jeu, puis j'ai d'autres priorités à installer pour l'instant. Mais Plant vs Zombie, ça va continuer. Et j'ai déjà un épisode de tournée avec mon autre PC. Donc voilà. Ensuite de ça, attendez que je regarde ma petite liste, que je suis en plein combat, attendez. On va essayer de tuer lui. Ah merde, oui. Non merde, j'ai mal utilisé mon... Ah. Lui va mourir. Ouais, il a été chanceux. Ok. On va retourner à notre base, lui, pour que je parle un petit peu. Donc oui, attendez, je regarde, j'en suis rendu, oui. Donc il y avait aussi le let's play sur 11 Somerset, le petit jeu sur internet que je faisais, que je vais continuer, mais ça déjà qu'avec mon autre PC, c'était pas nécessairement une priorité, ce n'est pas non plus une priorité dans le moment. Puis les vidéos sur téléphone, vous avez déjà eu une chier à cause justement de mon manque de PC, je vous avais fait beaucoup de vidéos avec mon téléphone. Il va en avoir d'autres, ça va arriver. J'en ai déjà une de tournée en fait, qui va arriver bientôt. En tout cas, je l'espère, je vais essayer de vous sortir ça bientôt. Puis voilà, c'est tout. Et oui, pour finir, ce que j'avais à vous dire, je pense beaucoup à de nouvelles. À de nouvelles trucs, oui. Moi, je parle pas très bien français. Je pense beaucoup en ce moment à du nouveau sur la chaîne que je pourrais vous apporter, que ce soit des let's play, des jeux ou n'importe quoi. Je pense beaucoup à ça. J'ai déjà quelques petites idées que je vais vous dire. Donc encore une fois, si vous voulez pas vous faire spoiler ce qu'il va y avoir sur la chaîne, arrêtez la vidéo ici. Sinon, si ça vous dérange pas, restez. J'ai l'intention de vous faire du GTA V sur PC. Pas un let's play, en tout cas c'est pas dans mes plans, pas un let's play non, mais des mods GTA V que j'ai envie de vous faire. Il y a aussi
Là, là, je peux faire vraiment mal si je place ça comme du monde. Regardez ça. Ah non, 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 non. J'ai ma gauche qui part en queue. Oui, des mods sur GTA V. Il y a aussi, comme que je vous ai dit tantôt, j'ai fait un double kill, là, non? Ah non. Comme que je vous ai dit aussi, vu que j'ai fait un let's play sur Homefront et qu'il y a eu Homefront 2 qui est sorti, ben, ça fait déjà un petit moment, mais il est sorti, il s'appelle Homefront Revolution, me semble. Ben, je vais vous le faire lui aussi quand que je vais avoir terminé le let's play sur Homefront 1. Je vais vous faire le let's play sur Homefront 2, de Revolution, donc. Et donc, il y a ça aussi qui va arriver sur la chaîne, je pense que ça peut être vraiment cool. Surtout si vous aimez le let's play, là je ne sais pas encore, mais si vous aimez le let's play sur Homefront 1, logiquement vous devriez aimer le let's play sur Homefront 2. En tout cas, je l'espère. Puis en ce moment, ben, j'ai pensé à ça. Je trouve ça déjà bon parce que c'est quand même relativement déjà beaucoup. Ça en fait déjà beaucoup. Puis en plus de ce qu'il y a déjà sur la chaîne, c'est-à-dire Minecraft Story Mode. Vite comme ça, c'est tout ce que j'ai en tête, Minecraft Story Mode par contre. Il y a aussi, il y a aussi tous les jeux Telltale, hein. Il y a aussi Game of Thrones que je voulais faire, Game of Thrones, la série par Telltale. Il y a aussi le jeu Tales from Borderlands. Batman par Telltale. Telltale sort beaucoup de jeux là, hein, ces temps-ci, c'est fou. Ben, c'est bien en même temps, c'est bien. Mais il y a aussi ça que je veux vous faire. Et je me suis tout fait voler mes kills, c'était waouh. Je suis à 16 assists. Et puis il y a une dernière chose auquel j'ai pensé. Je suis admin d'une page Facebook en fait. Une page Facebook. Désolé. Une page Facebook du jeu Hunter. Donc je pense que vous connaissez le jeu si vous êtes sur ma chaîne parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Je suis admin d'une page Hunter en fait où qu'on publie. On publie des faits divers à propos d'Hunter. Toutes les mises à jour, on publie toutes les revues des mises à jour. J'ai la page contient 1000 likes environ, 1100 likes, 1200 likes. Donc quand même, c'est pas rien. Puis, pour la page, en fait, j'ai pensé faire une mini-série, en fait, sur... c'est pas une série, vraiment, mais c'est simplement des présentations de mods, de maps, d'armes, de skins, tout ce que vous voulez sur Hunter. J'ai pensé que ça pourrait être cool parce que je pense que ma communauté aime quand même pas mal Hunter. Les vidéos que j'ai faites sur Hunter ont toujours relativement très bien marché. Donc je pense que ça c'est une bonne idée aussi de vous faire des vidéos là-dessus. Tout simplement c'est ça, je présenterai des mods, des armes. Mais pas nécessairement pour mes abonnés, oui évidemment, mais surtout pour la page Facebook. Donc comme ça, ça me fait de la pub à moi, et ça me fait de la pub pour ma page Facebook, qui est relativement bien, on est toutes les deux gagnants là-dedans. Bref, je pense que j'ai pas mal tout dit, puis en plus c'est cool parce que la partie est finie, donc c'est direct le temps qu'il me fallait. Une game de Smite, c'est ce que je pense, ça c'est parfait. Et puis, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire. En tout cas, j'espère que j'ai rien oublié. Puis, écoutez, si la vidéo vous a plu, si vous voulez plus de Smite, si vous êtes heureux qu'enfin ma chaîne reprenne de l'activité, vous pouvez laisser un like, un commentaire. Et moi, en tout cas, je vous laisse et je vous dis peace tout le monde!